Pour une fois que j'ai fait un kill, hey, tu vas pas te plaindre. Hein. Pour une fois que c'est moi qui fais un kill, écoute, pour un début, hein, on va pas se plaindre. Allez! Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est PsyTrag. Aujourd'hui, les amis, on se retrouve enfin dans une nouvelle vidéo découverte. Et il y en a certains hier qui m'ont vu en live sur Area F2. Mais malheureusement, ça a déconné. Ouais, ça a déconné, vous me connaissez, voilà, dès que je fais des lives, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Et bah là, ça a pas marché, ça déconne. C'est pour ça que j'espère enfin changer de PC un jour, parce que celui-ci, là, il est en train de me lâcher encore une nouvelle fois. Et donc, du coup, si je fais des lives, c'est sur Twitch. Donc, si vous pouvez me rejoindre, c'est sur Twitch pour les lives. Donc, n'hésitez pas à me follow, le lien est dans la description. Ou sinon, c'est PsyTrag, voilà. Donc, je vous invite à me rejoindre fortement sur Twitch. En ce moment, en période de confinement, je fais pas mal de lives. Dont aujourd'hui, là, quand tu vois cette vidéo, il y aura un live Area F2. Eh oui, mon pote. Donc, les potes, on est parti pour faire du Area F2. Hier en live, du coup, j'ai fait une petite découverte. J'ai vite fait survoler parce que, du coup, ça a bugué. Ça a bugué en live. Donc, du coup, voilà, j'étais un peu dégoûté. J'ai un peu fait le tour du jeu. Pour faire un résumé simple, c'est un Rainbow Six Siege. Voilà, sur téléphone. Du coup, du graphisme de téléphone, mais qui est plutôt correct. Et c'est un jeu, franchement, qui mérite, et je pense qu'il a un avenir dans le e-sport. Donc, si t'as envie de te lancer dans le e-sport mobile, fonce, geek, saigne, mais par contre, les études avant tout. Ça, je te le dis entre toi et moi, les études avant tout. Donc, les potes, je suis actuellement en compagnie de Urbex. Je crois qu'il a perdu sa langue. Mais bon, c'est pas grave. Allez, on va directement en game. C'est parti, let's go. Donc, les potes, nous voilà directement dans l'interface du jeu. Et franchement, cette interface, hein, j'ai jamais donné une note aux interfaces, hein, mais celle-ci, je lui donne une note de... Ah, 20 sur 10. Ah, là, c'est du high level, 40 sur 20. Oh, il kick directement. Regardez-moi ça. T'as déjà vu une interface où tu peux te balader? Et ce qui est encore plus, c'est qu'elle est interactive. C'est-à-dire que vous pouvez cliquer sur les personnages et ça vous donne des informations sur le jeu. Alors, bien sûr, il y en a certains qui m'ont dit qu'ils en ont marre quand je fais le tour de l'interface. Donc là, je vais plus vous présenter l'interface. C'est une interface simple, classique, avec le shop, les présentations. Il y a différents skins, il y a différents agents. Voilà, il y a toute une panoplie. Il y a les amis, la liste d'amis, les clans, il y a tout plein de trucs. Donc, je vous invite à aller faire votre tour, à aller vous balader. Aujourd'hui, c'est une vidéo présentation. C'est plus de je te dis mot par mot ce qui se trouve. Voilà. On va découvrir ensemble, du coup, en jeu, avec du niveau de malade, je te cache. Enfin, du niveau, quoi, à skip. Et voilà. Donc, on va directement partir, du coup, en duo avec deux randoms. C'est un 4 contre 4, hein, si je me trompe pas. Ou un 5. C'est un 5 V5, ouais. J'avais un doute, mais. Du coup, on va partir à deux avec Urbex, avec des randoms. C'est parti, en mode classique. Let's go, baby. Alors, si je devrais donner mon avis sur ce jeu, il y a quelques petits points qui aujourd'hui me gênent un peu. C'est que vous ne pouvez pas quitter le game. Alors, vous pouvez quitter physiquement, fermer l'application, voilà. Par contre, si vous réouvrez l'application et que le match n'est pas terminé, vous rejoignez automatiquement la partie. Donc, si vous voulez jouer avec vos potes et que vos potes vous disent « Ouais, quitte, tu vas rejoindre nous vite, 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 vite », eh ben non, c'est mort. T'auras dû... S'il modifie pas ça, hein, je vois le truc. Hein. Imagine, t'as une compétition là qui arrive là. Et t'as là... Ah, t'es cuit, mon pote. Donc là, pour l'instant, tu peux pas quitter. Allez, donc là, on commence directement par la défensive. C'est parti, let's go. Allez. Donc moi, je vais prendre Rookie. Rookie, non, oui, c'est ça, il s'appelle Rookie là, non? Il s'appelle comment lui? Je sais rien. Mais moi, je sais même pas comment il s'appelle. Moi, je prends le premier personnage qui arrive là. Enfin, voilà, c'est le simple. Lui, il est simple, classique. Par contre, je pars avec UNP9. C'est une arme auto. Pareil, c'est simple, classique, effet crasse. Urbex, du coup, il a pris pareil que moi. C'est parti pour de la défense. Donc alors, un petit conseil, si vous voulez jouer à ce jeu et que vous voulez qu'il y ait une bonne cohérence, ouais, comme tu l'as dit, oula, une bonne cohérence avec vos mates, il faut absolument que vous soyez en vocal, voilà. Pour moi, si vous jouez en solo avec 4 autres pèlerins, croyez-moi, vous avez une chance sur 10 de gagner. Sauf si les autres en face sont vraiment nuls ou si ceux avec vous, ils sont vraiment forts, mais je vois pas comment vous pouvez gagner, sinon c'est un effet de chance, voilà. Mais si vous êtes en coop, je pense qu'il y a moyen de gagner. Let's go, Drabi. Allez, c'est parti. J'augmente un peu le son du jeu. Et donc, du coup, c'est à nous de barricader la zone. Ok, bien sûr, dès que je vois une caméra, hein, je la fusille. Et là, notre but, c'est de protéger. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas si c'est une bombe ou... Et voilà. Allez. Ok, mon gros doigt, encore une fois, il a cliqué pour rien. C'est un mot, voudra pas. Voilà. Five seconds left.
Ok, c'est parti. Ah, pour une fois, c'est pas moi qui ai tiré pour rien. Toi, un mec là qui court là. Ouais, moi je cours partout. Ouais. Lui se balade. Attends, il y a deux trucs qui m'ont vu là. Un de moins. Ça, c'est une bombe. Ils ont mis n'importe comment les trucs. Aïe, aïe, aïe. Que ça? Oh oui, sur le toit. Dans la trappe. Laisse ta petite tête là. Je me fais shooter d'où? Le mec là où est toujours en vie. Les grenades. J'ai vu. Ah mais c'est sûr que si je vise pas, j'aurai un peu de mal. Grenade, attention, ça va faire boum. Bon, je vous cache pas, hein. Je suis pas fort. Voilà, de vous à moi, je suis pas fort. Je suis même nul, quoi. Mais bon, on va peut-être apprendre, hein. Donc là c'était la kickcam. Partout, quoi. Eh, c'est le bordel, hein. Mais oui, ils ont fait un festival de grenades, quoi. Je vais mettre sur la cam d'Urbex. Ah, t'es mort toi? Bah oui, j'avais 3 grenades sur moi. En plus, j'aime bien ce qu'ils sont à fond, c'est genre ils contrôlent tout, tout, tout. Mais les mecs, ils ont pas compris que le mec était déconnecté. Il y a le logo en haut, déconnecté. Non, non, non pas Honda. Ok, maintenant c'est à nous d'attaquer, c'est parti. Vas-y, on part du toit. Comment tu fais pour aller du toit? Bah, tu cliques en haut. Tu choisis. Ouais, vas-y, moi je vais sur le toit alors. Let's go, ready. Ok, ils sont là. J'ai pas l'impression. Ils sont où? Ils sont au point, tu sais. T'sais, je t'ai dit, t'as bien fait d'aller en dessous. Ah oh bah, effectivement, là, y'a un mec sur le mur. Il l'a croisé. Il est passé devant lui. Au calme. Ah bah, je me suis tué. Ouais. Allez. Il se balade. T'es sur la caméra de Mohamed. Allez, let's go. Par contre, j'ai des latences. Ils sont au rez-de-chaussée, c'est ça? Ouais, au rez-de-chaussée, j'ai des lags là. Donc il faut que j'aille au premier étage. Vas-y, c'est beau, je me suis déjà fait tuer de la fenêtre par un mec. Super ça. C'est faire spawn kill. T'avais dit quoi? J'ai dit que t'allais mourir avant moi. Non, mais j'ai peur, moi, s'il y a un mec qui me tue de la fenêtre. Le target est under contention. Toi, t'aimes bien faire ça. Le target est being protected. C'est joué ça. Oh non! Ah, fais chier. Allez, round 3, c'est parti. Effectivement, il y a un partout. Donc là maintenant ça va être à nouveau de nous de défendre. Bon, j'ai pas... Ah, il y a une caméra qui nous voit. Salut. 10 seconds left. Target location has been found. Ok, bon, pire. Mais pourquoi ils détruisent? Ça me saoule les gens qui détruisent là. C'est toi qui a détruit là? Ouais. Mais ça sert à rien. Tu sais que au final, au final, c'est du gaspillage de casser. Pourquoi? Bah, parce que t'es pas en illimité en prenant en barricade. On en a 3 chacune, je crois. Non? Non, non, on est en illimité en feu de bois comme ça.
Non mais... Tu vois ça? Moi je suis jaune, je suis bien en jaune. Ouais, c'est toi là qui fait du droit de gauche là qui s'est accroupi là. Ouais, c'est toi là. Merde. Salut, ça va quoi? Oui. Oh, j'ai bug. Ouh là là, je bug, mais sévère. Hein. Vive l'iPhone 7. Hein. C'est moi qui fais du parcours. Là. Ah, moi ça, j'ai des gros bugs. Hein. Moi quand même. Ici, il y a juste l'escalier ici. Par contre, il y a des derniers aussi. Attends, toi, t'es celui qui vise la porte des escaliers là. Exactement. À côté de toi. Derrière toi, il y a un truc, tu peux pas. Tu peux. Non, attends. Oh. Escalier, il y a personne. Il y a personne. Ah non, c'est un corps, c'est pas. Mais je vois personne. Donc là logiquement on est en full 5v1 quoi. 5v2. Non, si y en a... Ah oui, 2v2, autant pour moi. Mais t'en as un qui est déconnecté. Encore une fois. Attends, moi je vais regarder les caméras. Non voilà, 2v2. Watch out for vertical attacks. Je vois pas du tout où est-ce qu'il peut être le mec. Bah, personne dans les caméras. Ah, il est couché là. Ah, shit. Il est couché dans la pièce à côté. Y'a un mec. Il m'a pas vu. T'es où toi? Ah, vu. Je suis au rez-de-chaussée. Ok, bah, c'est bon, je l'ai vu. Ok, là, du coup. Du coup, c'était au rez-de-chaussée. Ouais, du coup, il faut que j'aille au deuxième étage. Ah, par contre, je sais pas comment il joue lui. Moi, à chaque fois, je vais. Ah, mais gros doigt là. Et je trouve. Et j'essaye de trouver une trappe. Regarde-moi ça. C'est qui là qui est rentré à la fenêtre que j'ai cassée là? Je suis sûr, c'est toi. Non, moi je suis déjà au contact avec eux. Je suis déjà au contact avec eux. Ah merde, je me suis gouré, putain, je me suis encore loupé dans ma flash. Ah, ils les ont bloqués cette trappe. Il y en a un qui est mort chez eux, encore une fois. Toi, tu me dis, il reste déjà plus que deux personnes. Attends, mais je vais faire ok, des mort. J'en ai marre. Faire des kills. Pour une fois que j'ai fait un kill, hey, tu vas pas te plaindre. Pour une fois que c'est moi qui fais un kill, écoute, pour un début, hein, on va pas se plaindre. Oh, mais c'est pas drôle, j'ai toujours fait 0 kill, je crois, depuis le début de la partie. Ah bah du coup, c'est la victoire. En plus, du coup, c'est la victoire. Est-ce que c'est moi qui fais le dernier kill? Non, c'est pas moi. C'est moi qui fais le dernier kill? Je sais pas, j'ai même pas fait gaffe. Bon, c'est pas grave. Si, c'est toi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça sera pas moi le MVP. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Donc voilà les amis, on va s'arrêter sur ça. C'était une petite vidéo rapide pour vous dire que Area F2 est disponible sur iOS et Android, et pas que sur Android comme beaucoup de rumeurs le disent. Écoutez, il y a énormément de tutos pour vous apprendre à le télécharger, que ce soit sur iOS et Android, sur YouTube. Et sur ce, moi je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos sur ce jeu. N'oublie pas qu'il y aura un live ce jour-là sur Twitch sur ce jeu. Bien malgré qu'il ne soit pas encore référencé, il y aura un live sur Twitch sur ce jeu si tout se passe bien, si j'ai encore aucun bug, je vous fais un live, et puis on se redonne rendez-vous très 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 vite pour de nouvelles vidéos, bien sûr. Sur ce, c'était Petit Rag. Je vous souhaite une bonne fin de journée, ou une bonne fin de soirée. Je sais toujours pas pourquoi je dis ça. Bye bye.